CSC est une plateforme panafricaine qui a pour but, on ne va pas le cacher, de faire aboutir la révolution africaine. On le sait tous que le plus grand combat qui est mené contre l'homme et la femme noire, c'est avant tout un combat qui est mental. Parce que quand on analyse le niveau de blessure du peuple noir, on peut s'apercevoir que le peuple noir a un sérieux problème d'ordre moral, mental, et j'irais même physique, qui l'empêche d'agir. Donc Kimpavita est avant tout une gymnastique qui permet à l'individu qui la pratique de fortifier son mental, de fortifier sa détermination et d'avoir une discipline. Marcus Garvey disait que la seule arme que le blanc a utilisée chez nous pour nous détruire, c'est la désorganisation. Kimpavita a pour objectif d'organiser notre mental, de nous organiser les uns des autres. Donc Kimpavita est composé de trois phases. Première phase qui est la phase lente, la phase moyenne on va dire, et la phase rapide. La première phase, c'est la phase qu'on peut appeler la phase yoga, la phase méditative. Vous savez que la méditation joue un rôle très important dans la régulation de l'organisme. La méditation permet à l'individu de désintoxifier sa pensée, de libérer sa pensée. Donc la phase 1, c'est la phase qu'on peut appeler la phase tortue, la phase qui suit le rythme du vent, la phase qui suit aussi le rythme respiratoire. C'est un exercice qui permet de réguler le souffle et de réguler les pensées. Thank you.
c'est une phase qui permet à l'individu qui la pratique de se fortifier par le tempo, par le rythme et par on ramène ça au niveau de la révolution, c'est l'application, on va dire, des lois révolutionnaires. Par exemple, si on dit tout révolutionnaire doit avoir le courage, tout révolutionnaire doit avoir la corrélation entre sa parole et sa pensée. C'est une phase qui s'exécute sur des temps. Nous, on a choisi les temps des 5 temps pour nous permettre d'être tous sur le même rythme, d'être tous sur le même tempo. La phase 2 peut nous renvoyer aussi à la phase de la mobilisation. Par exemple, quand on va mobiliser les populations avec le même langage. La phase 2, c'est une phase qui est déterminante et qui permet aussi de travailler aussi le rythme cardiaque. Ça permet aussi de travailler aussi le souffle et aussi l'endurance. Donc cette phase-là, toute personne qui la pratique va tonifier son endurance, tonifier et fortifier ses muscles, son corps et son esprit. Car on dit que l'esprit sans le corps n'est rien. Donc dans la phase révolutionnaire, la phase 2, c'est la phase par exemple qui va permettre à l'individu qui la pratique et qui aspire à la révolution de respecter des principes et des lois et des valeurs. Par exemple, quand on dit tout nationaliste doit effondrer les identités issues de la conférence de Berlin, c'est ici que ça se passe, mais c'est aussi en action. On ne peut pas venir avec nos drapeaux et se dire qu'on est des panafricains ou des nationalistes africains. En tout cas. D'accélérer le mental. Une fois que le mental a été maintenu, a été fortifié, on l'a accéléré. Accéléré dans quoi? Ça peut être dans les discours. Nos discours ne seront plus des discours de compréhension, mais d'exécution. Donc dans cette phase numéro 3, on a une accélération du corps, du mental et du... étapes, comme vous le voyez, c'était bien expliqué, c'est au niveau de la première étape. C'est une étape, c'est la première phase, disons, parce que nous utilisons le terme phase avec Impavita. La première phase, c'est cette phase méditative. C'est cette phase qui nous permet, en fait, de structurer la pensée.
La deuxième phase, donc c'est cette première phase-là, c'est toujours une phase méditative qui nous permet de structurer la pensée, mais aussi de structurer nos idées. Et la deuxième phase, c'est la phase intérieure. C'est la phase qui se passe en soi. C'est la phase mesurée. C'est la phase délibérative. C'est une phase où l'on essaye d'intégrer, de forger soi-même la pensée ou l'idée, de l'intérioriser et de la maîtriser. La troisième phase, c'est une phase de la masse. C'est la phase accélérée, la phase active. La phase où on entre en contact avec la masse, où on échange avec la masse, où on amène la masse dans la direction que l'on prend. Donc Kimpa Vita, c'est ces trois phases-là, c'est cette dimension-là de la gymnastique, de pouvoir combattre déjà la colonisation qui vit en nous, de pouvoir combattre les idées coloniales, de pouvoir combattre aussi tous les actes coloniaux, tous les actes coloniaux qui ont été posés, toutes les formes des actes qui sont posés au nom de la colonisation, au nom de l'impérialisme. Nous nous opposons à ça avec la phase 3. Tous les actes où toute la maladie mentale et aliénante qui vit en nous, fruit de la colonisation, du néocolonialisme et de l'esclavage, nous la combattons avec la deuxième phase de Kimpa Vita. Et toutes les idées, toutes les théories, toutes les visions émanations de la colonisation, de l'impérialisme, nous les combattons au niveau de la première phase, phase 1. Donc c'est l'acheminement de toutes ces trois phases-là qui va forger nos convictions, qui va forger notre véritable identité et qui va orienter nos actions au sens, comme nous le disons, de Kimpa Vita, l'intelligence de la guerre, l'art du combat, le nationalisme africain en exercice. Qui est Kimpa Vita? Kimpa Vita est une grande héroïne africaine qui a combattu les Portugais en 1700, dans les années 1700. Kimpa Vita était celle qui a voulu, de son vivant, rassembler tous les empires africains, rassembler l'unité africaine mentale, d'abord culturelle. Elle a défendu le royaume africain en son temps. Kimpa Vita a renvoyé une doctrine, on va dire, qu'on peut aujourd'hui qualifier de nationaliste, étant donné qu'elle a voulu maintenir cette fierté nationale. Kimpa Vita, de son vivant, a porté, qu'on le veuille ou non, une doctrine nationaliste africaine, où elle combattait l'impérialisme et le colonialisme sur place, avec ses prises de position et avec ses révélations entre parenthèses. Mais si on a décidé d'appeler ce sport Kimpa Vita, c'est pour inspirer en fait cette idée de la non-domination de l'homme blanc sur l'homme noir. C'est ça le combat initial. Est-ce que la personne humaine aujourd'hui africaine est préparée moralement à combattre les Occidentaux? Les Occidentaux aujourd'hui nous combattent. Mais s'ils arrivent à avoir une force sur nous, c'est parce que nous, mentalement, moralement, on est acquis à leur cause inconsciemment. Inconsciemment, les Africains encore ont un amour du blanc qui les rend incapables d'agir sur tous les fronts. Je ne vais pas citer son nom, mais il y a eu un président français dans les années 2000 qui est allé au Sénégal insulter les Sénégalais sur place. Quelle a été la réponse des Sénégalais? Ils ont applaudi. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà morts moralement. Donc ce sport-là, ce yoga-là, Kimpa Vita, a pour but de restructurer la personne humaine sortie d'Afrique. Et ça passe par fortifier notre mental, fortifier notre rapport qu'on a au monde, fortifier notre amour-propre. On le dit tout le temps que sans la confiance en soi, sans l'amour de nous-mêmes, on ne pourra rien faire. Donc ce nationalisme que nous défendons et que Kimpa Vita a défendu, ou que la reine Zinga a défendu, et que toutes les femmes noires défendaient dans l'ancien temps, était une nationaliste africaine. Les nationalistes africains ont pour but de supprimer toutes ces différences qui ont été imposées par la conférence de Berlin. Vraiment, vraiment, aujourd'hui, si on n'arrive pas à faire ce travail-là entre nous-mêmes, d'effacer en nous, en notre âme et en esprit, cette conception même de tous ces drapeaux, on ne pourra pas avancer. Et les contradictions qu'on doit soulever, les contradictions qu'on rencontre encore dans le panafricain, chez les soi-disant panafricains. Ils sont panafricains, mais ils sont encore sous cette domination culturelle et identitaire de l'homme blanc. Donc si on le combat, on doit combattre l'identité de la conférence de Berlin. Ça va de pair. On ne peut pas être nationaliste panafricain et défendre ces drapeaux-là. C'est complètement contradictoire. Donc, ou bien on est nationaliste, ou bien on ne l'est pas. Ou bien on défend l'Afrique, ou bien on ne la défend pas. Ou bien on combat, ou bien on ne combat pas. Le problème dans tout ça, c'est qu'en Afrique, il y a toujours eu deux camps. Ceux qui combattaient et ceux qui ne combattaient pas. Parmi ceux qui combattaient, il y a toujours ceux qui font semblant de combattre. C'est-à-dire que les gens qui sont là, qui font semblant et qui ne prennent aucun risque. La liberté a un prix.
ce prix-là, qu'on le veuille ou pas, c'est un prix qui est lourd à payer. Est-ce que l'Afrique est prête à payer ce prix-là? Comment se fait-il qu'en Afrique, nous sommes le seul peuple, tu vois, dont la trahison n'est pas sanctionnée? Ceux qui ont étudié l'histoire de toutes les révolutions savent que l'ennemi de la révolution, le traître, la sentence qui lui est réservée, c'est la sentence la plus radicale. Il n'y a qu'en Afrique aujourd'hui on peut trahir et continuer sa vie, aller en Europe, faire ce qu'on veut. Rappelez-vous en France, le pays là dans lequel on est là, le pays où je suis en train de faire le discours. La France a exécuté plus de 110 000 traîtres de son vivant. Est-ce que l'Afrique est prête à aller jusque-là? Aussi longtemps que nous ne serons pas prêts à aller jusque-là, les traîtres continueront à se multiplier. Et un pays où il y a tant de traîtres, ce n'est pas normal. Kimpa Vita, c'est l'intelligence du combat, la stratégie de combat, la gymnastique de la guerre, l'art de combattre. Donc vous avez vu que nous sommes en train de mettre en exercice cette gymnastique que nous avions baptisée Kimpa Vita, en mémoire de la guerrière, de la vaillante et la déterminée Kimpa Vita, qui opposait à toute idée du colonialisme, à toute idée de domination, à toute idée d'assujettissement, à toute idée d'impérialisme, s'est levée pour dire non à cette colonisation. Donc à travers cette gymnastique, on exprime la détermination qui est nôtre, on forge les pensées, on forge les convictions, on forge la parole, on met en exercice et en file la pensée, la parole et les actes. Ce que nous pensons, ce que nous disons, c'est ce que nous allons faire. Et cette combinaison exprime bel et bien l'image de cette gymnastique que vous avez vue, cet art de combattre, cette façon de combattre, cette façon de nous opposer à tout le mot auquel nous sommes confrontés. Mais surtout et par-dessus tout, à toute idée d'aliénation, à toute idée de colonialisme. Et à tous ceux qui veulent forger leurs convictions, qui veulent faire les liens directs entre leurs pensées, paroles et actes. Passer en acte ce qu'ils disent ou ce qu'ils pensent, c'est en fait à travers l'acheminement de cette gymnastique que nous appelons Kimpa Vita, stratégie du combat, l'art de la guerre, qui fait aussi naître en nous cet amour indéfectible pour notre chère et mère patrie, l'Afrique.